Bonsoir, soyez les bienvenus au Lex Cobolio. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir des invités de marque que pour la présentation du livre de Fabien. Je vais vous les présenter tout de suite en commençant par madame. Voilà. Alexandra Coroneu, qui est doyenne de la faculté de sciences sociales à l'université de Padio et qui est professeure aussi. Papis Papadimitriou, qui est député au Parlement grec du Parti de la Nouvelle Démocratie, voilà, et qui est journaliste ou toujours journaliste à la chaîne de télévision de Sky et à la radio probablement aussi. Fabien Perrier, donc, qui est l'auteur du livre, qui est aussi journaliste, correspondant du journal Libération, qui écrit aussi à Marianne, je crois, et autre chose, c'est tout? D'accord, très bien. Et nous avons aussi Stavros Samouilidis, qui est journaliste, réalisateur de documentaires, qui a travaillé anciennement pour des chaînes de télévision grecque, et qui va donc animer la présentation et le débat. Stavros, la parole à toi. Merci beaucoup. Merci, bonsoir tout le monde. Donc, avant de passer la parole aux deux intervenants, moi je voulais mettre deux thèmes pour le débat, pour la conversation qui va suivre. Tout d'abord, ce que moi j'ai senti en lisant le livre de Fabien, c'est cet essai, cette tentative de donner un regard distancé par rapport à une histoire récente et très débattue de l'histoire du pays, de la Grèce. Et après, comme deuxième point, le fait que c'est un récit que l'auteur veut vivant, il insiste beaucoup sur ça, d'après ce que j'ai compris, mais qui ne prend pas parti, et qui en même temps essaye de, au final, raconter l'histoire d'un pays à travers un personnage. Mais moi, je voudrais aussi poser la question, est-ce que finalement, c'est le personnage qui raconte l'histoire du pays, ou le pays qui raconte l'histoire d'un personnage? Est-ce que c'est l'histoire du pays même, ou si c'est l'histoire de la gauche, et surtout de la gauche à la fin de la dictature des colonels en 1974? Voilà. Je passe d'abord la parole à monsieur Babis. Qui cède. Qui la passe. Alors, c'est un peu la norme. Alors, madame, d'abord. Alors, je voudrais dire par rapport à ça quelque chose qui m'a beaucoup travaillé dans la tête quand je lis le livre de Fabien Perrier, que c'est le fait qu'il a fait un très grand effort et qu'en fin de compte, il a réussi son but, qui était de mettre en corrélation, d'une part, ce qui est la biographie, comme on dit, d'un personnage, d'une personnalité politique même vivante, et ça c'est assez important et assez difficile à faire, et en même temps de retracer l'histoire, je dirais, moderne, l'histoire récente de la Grèce, à travers surtout des moments très traumatiques pour notre pays, qui était la dernière décennie, et essayer à mettre tout le temps en corrélation, d'un côté le personnage d'Alexis Tsipras, de l'ancien ministre, premier ministre, et de l'autre côté la surface sociale dans laquelle Alexis Tsipras agit. C'est ça, à mon avis, je dirais, le risque qu'il a pris, puisque c'est un risque. Le livre n'est pas un roman, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et il n'est pas un romancier lui-même. Il se déclare un journaliste, malheureusement. Ça serait bien d'être un romancier, mais il n'est pas un romancier. Il n'est pas un historien, bien qu'il a fait d'études, puisque je le connais depuis très longtemps, en géographie, en journalisme, à Sciences Po, et que donc il essaye à mettre en relation
ces deux parties, sans qu'il soit, à mon avis, toujours clair quelle est la partie qui a la, je dirais, qui est la plus forte, qui mène le jeu. Parfois, tu as l'impression que le jeu est mené par les personnages politiques, et parfois, que c'est l'histoire même qui est là, qui mène le jeu. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que le livre est séduisant et qui vaut la peine de le lire. Voilà, je passe la parole à Babs. On a un président de séance. La question qu'on se demandait tout à l'heure avec Babis, tous les deux journalistes, en tout cas à un moment, c'est est-ce qu'un livre pareil, à ce moment-ci, aurait pu être écrit par un journaliste grec tout en ne prenant pas parti, ou en tout cas en essayant d'être le plus objectif possible. Merci, je pense ça. Merci beaucoup, soyez le bienvenu. Et je vais d'abord répondre à votre question, Stavros. Et ça devrait être. Et je dois vous dire, on vient de se connaître avec Fabien. Fabien, vous, parce qu'en grec c'est Fabien, c'est pas le seul point que je vais noter. Mais j'avais en tête d'écrire un livre sur les malheurs de Tsipras. Et parce que ceci représentait mon approche. Vous les connaissez, je pense, presque tous et toutes. Et là, le livre apparaît. Je pense à un ami qui va me le... Parce que je ne l'ai pas trouvé à Bruxelles quand j'ai fait un voyage, un moment. Je rentre à Athènes, et puis, le livre, dans sa traduction grecque. Mais je dois vous remercier, parce qu'il écrit... Για τον Πάπη, το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα 10 χρόνων έρευνας. Καλή ανάγνωση, με χαρά, Fabien Terrier. Merci. Et je l'ai lu, bien sûr. Je voulais le lire. Je vais vous dire tout d'abord que l'autre jour, j'étais venu ici pour acheter des livres pour des cadeaux à des amis. C'était juste avant le premier de l'an. Et vous m'avez donné le livre en français, je vous remercie aussi. Et puis j'ai noté, quand je suis rentré à la maison, qu'il y a Alexis Tsipras, ça ne change pas, et je crois que c'est difficile de changer. Je vais vous dire qu'au Parlement grec, s'il y a quelque chose de bien, il n'y a pas beaucoup de choses de bien, mais s'il y a quelque chose de bien, c'est qu'on se parle entre nous. Il y a des exceptions, il y a des gens avec qui c'est difficile de parler, de communiquer. Mais avec Alexis Tsipras, on se connaissait, on s'était bagarré très fortement quand je lui disais au début de 2015 qu'il faut faire gaffe à ceci, à cela. Mais là, on a eu l'occasion de se parler au Parlement et pendant quelques heures. C'était très bien. Et je crois que le Parlement, c'est bien pour cela. Les gens à l'extérieur, ils ne connaissent pas ça. Ils voient la télévision, ils pensent qu'on se bagarre, qu'on ne se parle pas. Alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'il y a quelque chose de bien dans le Parlement, c'est qu'on peut se parler, on peut même se dire des choses qui ne sont pas faciles de dire quand tu es devant une télé et quand tu as le journaliste comme moi, comme Stavros, comme Fabien, qui est là pour poser des questions et faire le jeu. Donc la première remarque, c'est que, alors que dans le titre grec, c'est Alexis Tsipras et les métamorphoses du politique, hein, je l'ai traduit bien ? Ok. Le titre original, c'est une histoire grecque. Oui. Et la photo est dedans. Ça, c'était ma deuxième remarque. Mais, non, je pensais un petit peu pourquoi ce changement, et j'aimerais bien que je t'attende là-dessus, Fabien. Parce que c'est une histoire grecque, c'est une histoire de fou. Donc, une histoire grecque, c'est un titre bien choisi, pas de question. Mais les métamorphoses de politique, c'est aussi un très bon sous-titre. Et si on le prend comme titre principal, parce que c'est ça, c'est vraiment une métamorphose pour toute la Grèce. La crise, c'est normal. La crise, c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose de très émouvant pour les gens. Il y a un sentiment qu'on a vécu une crise. Moi, quand j'ai fait mes études à Paris, c'était les années 70. Et pour ceux qui s'en souviennent un peu, c'était une décennie de crise. Pas aussi importante, pas aussi féroce que celle que nous avons traversée tous les pays, plus ou moins, mais la Grèce d'une manière très malheureuse.
Mais je crois que tous les titres sont valables. Donc si vous faites une deuxième édition, que je souhaite, vous auriez l'occasion, non pas le devoir, de faire l'amalgame et de peut-être mettre les deux titres en même temps. Je vais dire que le livre, on peut lire très rapidement parce qu'il n'est pas un roman, mais il est romancisé. C'est un récit. Et pourquoi je l'ai dit ça? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas écrire l'histoire quand on la vit. C'est difficile. C'est un récit, c'est un témoignage. Et je le prends comme tel. Donc, toutes les remarques que je vais faire, je vais les faire d'une manière humaine. Et je vais les faire aussi d'une manière journalistique. On est des journalistes, mais ce qui veut dire qu'on est des hommes ou des femmes, ceux qui font ce métier, très politisés. On est presque obligé d'être politique, pour être sincère et pour dire vrai. Donc, quand on approche la réalité, on la voit d'un certain côté. Tous les journalistes ne font pas le même métier. Il y a des journalistes qui sont obligés de raconter ce qu'ils voient. Mais les journalistes qui commentent, comme moi, les années, plusieurs années, je fais 30 ans ce métier, et j'étais plutôt du côté de celui qui, qui fait un commentaire. Donc, qui réfléchit et qui va dire son avis, son opinion. Donc c'est très difficile et c'est pourquoi, en tant que journaliste, nous sommes les premiers à se bagarrer. Vous avez sans doute, toutes et tous, eu l'occasion de parler beaucoup, de se bagarrer, comme je dis. Et pendant toutes ces années, il y avait vraiment de quoi se bagarrer, de quoi échanger des avis. Et là, quand je l'ai lu, le livre de Fabien, d'un esprit critique. Mais je vais vous dire d'abord que je l'ai trouvé... C'est un beau livre, un livre à lire. Et je l'ai dit à des copains que je connais, je l'ai dit à mes collègues, il faut le lire. Il faut le lire comme un point de référence de quelqu'un qui, étant un journaliste qui est venu de notre pays, bien sûr la France adore à adorer la Grèce, mais quand on vient de la France, quand on a tout ce que la France s'est donné comme histoire les 30 dernières années, et découvrez qu'en Grèce, il a pu avoir une évolution comme celle que nous avons vécue, c'était pas facile de le penser. La France a une histoire malheureuse pour la gauche. Les gauches en France ont échoué plusieurs fois et les transformations ou les métamorphoses étaient dures pour la France. Pour nous les Grecs, la métamorphose de la gauche a été dure pour plusieurs autres raisons, mais surtout à cause de la guerre civile et du fait qu'on a encore à l'intérieur de nous-mêmes cette guerre civile avec tout le symbolisme que ça représente. Ça, c'est malheureux. On ne peut pas vivre en 2020 et en pensant à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Mais je crois que Fabien, il a gardé son sang-froid d'une certaine manière, là où il pouvait le faire. Parce que, Fabien, tu adores Tsipras. Ça, je vais pas dire ce que je pensais avec mon copain là, et que dans plusieurs moments, et moi, étant dans mon vieux passé par la gauche, et trouvé que le plus grand danger que la gauche ait passé, c'était le stalinisme, donc le culte de la personnalité, mais il y a un certain culte. Et je vois... Et quand quelqu'un adore la personne sur laquelle il écrit, je crois qu'il est sincère parce qu'il dit dès le départ que moi je vois cet homme dans son évolution et cette évolution est bien racontée. Il nous raconte l'histoire d'un homme qui change à travers des événements. Alexis Tsipras, c'est vraiment ça. C'est un politique, vraiment je crois que la plus petite cellule de son esprit, de sa tête, de son corps et du politique. Il évolue alors que la politique change et il s'adapte à cela. Donc ton récit, il nous dit très très bien cela. Et tant que ceci se suit, mais je vois que quand tu arrives à la fin du gouvernement d'Alexis Tsipras, je crois que et tu es déçu, tu es tellement déçu que à la fin, si je m'en souviens bien,
excusez-moi, je vais trouver. Quand on arrive au moment où il y a les élections, les dernières élections là, et, Fabien, tu écris qu'en Grèce, la gauche n'a pourtant pas perdu la confiance d'un large pan de la population, ce qui est absolument vrai. Ainsi, les chômeurs, dans leur majorité, comme une grande partie des quartiers populaires, ont voté pour Syriza. Moi, je pense que même dans les quartiers pas populaires du tout, mais populaires dans un certain sens, ils ont aussi répété leur vote de plusieurs fois pour Syriza. Alors, il n'y a pas d'autre explication que le 31-5, et il n'y a pas d'autre explication si on lit les sondages et les recherches d'opinion qu'on a dans la main. Et tu racontes avec plus de 30% des voix aux dernières élections, Syriza obtient un score que bien des dirigeants européens aimeraient récolter au premier tour. Bien évidemment. Surtout, 38% des jeunes de 17 à 24 ans ont accordé leur vote à Syriza et à l'Alliance progressiste. Et tu continues. Mais je n'ai pas trouvé le numéro de Mitsotakis. Il n'y a pas ce numéro-là. Ce qui n'est pas évident. Parce que cette fois-ci, il n'était pas le vainqueur. Il a été le perdant. Mais ce n'est pas grand-chose. On est là, les élections, tant qu'on a la démocratie, on a une nouvelle fois l'occasion de se refaire, de se renaître, de retrouver notre chemin. Donc, je vous dis ça et je vous raconte ça pour expliquer tous mes autres notes que vous voyez là. C'est parce que, en tant que journaliste, je suis un petit peu dans le détail. Stavros a travaillé avec moi, il sait que je suis un petit peu fou dans le détail, parce qu'on peut avoir n'importe quelle avis, nous avons, enfin, on aime avoir. Mais quand on donne un chiffre, quand on donne un détail historique, il faut être précis. Et là, Tsipras, il est, si vous voulez, et là où je ne suis pas d'accord, c'est que Tsipras, pour faire son chemin dans la gauche, il a dû, vous mettez le verbe que vous voulez, mais Tsipras a mené, en tant que dirigeant de gauche, il n'est pas démuni des caractéristiques qui ne sont pas, disons, les meilleures dans la tradition de la gauche. Il commence par tuer son père. Je ne vais pas dire. D'accord, je parle bien sûr. Je parle bien sûr d'Aleko Salavanos, parce que lui, il l'a vécu de cette manière-là, peut-être, Aleko, je veux dire. Mais dans la politique, ça arrive, vous allez me dire. Il est bien, quelquefois, le dirigeant, pour avancer, il est obligé à faire ça. Mais quand vous racontez l'histoire, quand tu racontes l'histoire de sa montée qui est inouïe, qui est vraiment pour une Europe qui est dans la crise, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Quand il rencontre, par exemple, Yanis Varoufakis, comme Fabien raconte dans son livre, et on ne sait pas encore que Yanis est un gars. Tu dis, par exemple, que, si je m'en tiens bien, qu'il est professeur dans plusieurs universités américaines. Il est surtout professeur à l'université d'Athènes, ce que tu dois mettre dans la deuxième édition. Et tu racontes, mais tu dis jamais ce que Milos, qui est jusqu'à ce moment-là le gars qu'on attend prendre en charge l'économie, et qui est un gars extraordinaire, un gars bien précis, et il pense que ça sera plutôt Yanis Varoufakis. Mais tu dis pas que Yanis Varoufakis, il donne des cours à Austin, Texas, dans un cours qui est financé, j'ai rien contre, par George Soros. Pourquoi? Parce que si tu étais journaliste grec, tu parlais tu voulais écrire le livre, comme tu dis, Stavros, en grec, tu aurais tout de suite écrit ça. Parce qu'en Grèce, on aime mettre là-dessus, sur chacun de nous, une étiquette. Ce gars-là, il est de Soros. Il est payé par lui, donc il ne faut pas lui faire confiance. C'est comme ça que très souvent, on approche les gens. Mais le problème, c'est que quand on voit comment la politique, plus il approche au moment du pouvoir, et ça c'est très bien raconté par Fabien, plus Tsipras, il ne sait pas comment il va gouverner. Et ça c'est malheureux. Parce que j'attendrais, moi personnellement, exactement le contraire. Je ne dis pas qu'il est le seul. Georges Papandreou, par exemple, alors qu'il sait qu'il va être élu, il ne fait aucune préparation. Il prend du temps,
il ne sait pas quoi faire, il dépense de l'argent que déjà la Grèce n'en a pas tellement, je parle de 2009, et aussi Samaras. Alors qu'il sait que finalement il va être élu, il pousse pour cela, et il n'a pas encore vraiment, et là je te fais une autre note, Samaras donne pas, et ne permet pas une participation de ses propres cadres de ministres dans le gouvernement de Papadimos. Il soutient le gouvernement, il vote la confiance, mais il ne donne pas de ses hommes et ses femmes pour participer au gouvernement. Samaras lui-même, il n'est pas préparé et il va être obligé de faire un grand retournement quand il sera Premier ministre. Et donc, mais pour Tsipras, on entendra quelque chose de différent. Là, je vais vous dire pourquoi, et là, j'aimerais bien le lire, pourquoi un homme de gauche comme toi, comme beaucoup d'entre vous, que, comme je fus moi dans ma jeunesse, et j'ai Françoise là pour vous donner le détail, mais j'étais déçu, parce que moi je pensais que, bon, tu arrives dans un pays qui est en crise, bon, ça on le sait bien, tu sais que c'est difficile, tu sais que tu auras devant toi ce qu'on appelle les marchés, mais aussi l'Europe et les banques et tout ça. Donc tu dois être préparé, si tu veux faire un compromis, le faire vite et le faire dans une manière qui coûtera le moins possible pour ton pays et pour toi-même et pour ton parti. Moi j'attendrais d'un gouvernement de gauche comme Tsipras qui prend le pouvoir, disons le pouvoir, on ne prend jamais vraiment le pouvoir dans une démocratie, qui se met en tête du gouvernement en 2015, j'entendrai des réformes qui seraient vraiment des réformes de gauche, donc sur la société, sur les points faibles que la société grecque avait déjà avant et malheureusement en a toujours, plutôt que de mettre le paquet sur le problème qui était le plus difficile à résoudre à ce moment-là, qui était comment faire tourner une économie qui était en crise, de la faire tourner en une économie sociale, une économie socialiste, une économie que les gens de gauche ont dans leur tête. Ça, c'était un petit peu du côté de, si vous voulez, que moi je ne pouvais pas comprendre, et c'est pourquoi d'ailleurs je me suis opposé, parce que je disais que c'est dangereux. Donc, quand tu racontes, Fabien, cette histoire, il y a quelque chose qu'il faut raconter encore une fois, pour trouver les détails de pourquoi il n'a pas réussi là-dedans. Parce que moi, je crois qu'il était sincère, il voulait le faire, ok. Mais il n'a pas fait sa préparation. Et là, pour quelqu'un qui est de gauche, il n'est pas permis de ne pas savoir comment le capitalisme fonctionne, comment les marchés fonctionnent, et dans quelle situation la Grèce était à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez raconté. J'aimerais, dans une deuxième édition, que tu continues ta recherche. Oui, je termine. Et donc, c'est pour passer un peu la parole à Colonel, on sait sur différents points. Oui, et je lui ai dit, ne me laisse pas parler trop parce que. Et donc, il y a un manque d'appréhension de ce qui est la Grèce à ce moment-là et de comment elle peut être gouvernée. Et il y a aussi un problème sur quelle était l'équipe qui allait prendre le gouvernement. Parce que l'équipe, on peut dire maintenant qu'on connaît qu'il y avait des gens qui avaient des avis et des opinions différentes, mais quand ils veulent persuader l'électorat, on ne voit pas qu'ils sont des gens si différents que ça. On ne sait pas qu'un tel ne voudrait pas être dans l'euro, alors que Tsipras, il est persistant sur cela. Donc, on ne connaît pas qui vraiment va gouverner la Grèce. Et ça, c'est un point faible qui doit être plus mentionné qu'il ne l'est dans l'exposé de ces livres. Donc, je crois que le livre, il est passionnant pour ceux qui veulent comprendre comment Tsipras est devenu cette personnalité de gauche qui a enfin accédé au pouvoir. Mais il y aura des choses à raconter. Et là, je pense que, par exemple, le livre des deux autres journalistes. Là, c'est très utile pour raconter au moins le premier semestre. C'est d'ailleurs celle qu'elle raconte, la grande bluff. Ouais. Il n'est pas traduit en français. Non. Et Valvicciotti qui est venu nous.
Et il est très utile aussi, et c'est un bon complément pour comprendre ce qui s'est passé en Grèce. Donc, je crois que, Fabien, tu vas rester en Grèce, je pense, plusieurs années encore, et tu vas aussi avoir l'occasion de clore, de voir et de prendre un petit peu de distance avec ce qui s'est passé ces dernières années, et surtout 4 ans et demi de gouvernement pour la Grèce, c'est assez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de premiers ministres qui ont eu l'occasion de gouverner 4 ans et demi et des années si difficiles que ça, et des années si marquantes que ça. Donc, je tiens pour le moment, Stavros, à voir que, en tant que journaliste, Fabien a fait un bon travail. Il a exposé toutes les contradictions qu'on a vécues toutes et tous. Et une des premières et des plus profondes contradictions, c'est que, alors que la gauche était toute prête de prendre le pouvoir, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire exactement. Et des figures comme Yanis Varoufakis, et il est peut-être, parce qu'il est tellement extraverti, je le vois au Parlement, là, c'est vraiment une grande star, et c'est, nous, les autres députés, nous sommes à rien devant lui, et, mais vraiment, et tu as très bien montré toutes les contradictions de ce mouvement rapide vers le pouvoir. Donc, je retiens ça, j'ai beaucoup de notes, comme je vous ai dit, mais je veux tout simplement un point. Quand tu te réfères à Papadi, moi je l'ai dit ça parce que je le connais bien, nous sommes des amis. Par exemple, tu aurais très bien fait, si tu m'avais donné ton livre avant de le publier, j'aurais pu aider vraiment dans plusieurs détails, et ça aurait été une bonne contradiction, que ce serait moi qui aurais noté des détails. Mais je pense que j'aurais été utile, parce que par exemple, Papadimos, tu dis que c'est un gars qui a travaillé à plusieurs banques, ce n'est pas vrai, Papadimos a travaillé seulement pour la Banque de Grèce, et avant ça, il avait travaillé pour la Banque fédérale américaine de New York. En fait déjà deux, donc ça fait déjà deux. Non, je vais m'expliquer. C'est là tout le twist, comme on dit. Parce qu'il n'a pas travaillé pour les banques, il a travaillé. C'est un des gars vraiment formidables que j'ai connu, je connais beaucoup de gens. Mais 40 ans de travail, ça fait beaucoup de gens. Mais il a été un serviteur public. Il a travaillé pour la Banque de Grèce en tant que dirigeant de la Banque de Grèce. Et après, il est allé à la Banque européenne, comme vous le savez. Mais il n'est pas un homme de banque. Et ça, c'est un petit détail. Parce que la Grèce, vraiment, là, en 2012, ça a été vraiment difficile. C'était un moment très, très difficile. Et je crois que c'est un moment très important, parce que c'est à ce moment-là que Tsipras a compris pour la première fois qu'il va devenir Premier ministre et qu'il va gouverner un pays qui est ingouvernable très souvent. Et c'est pourquoi d'ailleurs il l'a compris une deuxième fois quand il est allé, et tu racontes ça très bien, il est allé à Washington et il a rencontré là Paul Thompson, quelle figure mon Dieu, et les autres gens du Fonds monétaire international, et c'était le moment où il aurait dû comprendre que ça va être difficile. Et donc, toutes les contradictions sont là, elles sont bien racontées. Moi, je vous propose de le lire et d'ouvrir la discussion dans la deuxième édition que, Fabien, je te souhaite de faire bientôt. Merci. Merci, Baptiste. De remarques et de points à digérer pour Fabien. J'en ai beaucoup d'autres. Avant, commencer là-dessus. Avant de passer la parole au principal intéressé, alors est-ce que Madame Colonel, vous voulez en dire un peu plus? Je voudrais juste, si vous pouvez, vous prononcer sur d'abord un des points qui est cet aspect du culte dans le livre. Est-ce que vous l'avez ressenti? Tout d'abord ça. Et puis quelque chose qui, moi en tout cas, m'a beaucoup pris dans ce récit, et qui est très bien raconté vers la fin du livre, le fait que finalement un des grands exploits de Alexis Tsipras, une prouesse qu'il a réussi, comme raconte Fabien, c'est le fait qu'il a pu rassembler différentes forces progressistes grecques autour d'un parti, ce qui a, en tout cas à l'histoire récente de ce pays, jamais été fait auparavant par une personnalité politique. Voilà.
merci beaucoup. Je vais essayer à ne pas être très très longue, bien que les universitaires aussi, Babi, sont parlent beaucoup, on aime parler beaucoup. Et donc je vais commencer par le premier point directement. S'il y a un culte, est-ce que Fabien, il aime, il adore, je ne sais pas, mais Alexis Tsipras, ça c'est une question que je vais lui poser aussi. À un moment donné, pas tellement dans ce sens-là, mais dans un autre sens, qui est quand on écrit sur un personnage, on a travaillé très très longtemps, on a fait de la recherche, parce que le mérite de ce livre et le mérite de Fabien, c'est qu'à mon avis, il fait une sorte de journalisme qui est surtout du journalisme ethnographique. Ça, je le sais à travers d'autres travaux aussi très importants qu'il a fait, ici en Grèce ou en France, mais surtout, par exemple, pendant un an et plus, si je me rappelle bien, il a suivi une famille syrienne qui est partie de la Syrie, cette personne qui a traversé la Grèce et beaucoup d'autres pays pour arriver en France, et qui encore aujourd'hui, il suit le destin, disons, de cette famille. Donc il fait un journalisme qui est très proche de ce que nous on fait, les universitaires, sociologues, ou anthropologues, ou ethnologues, qui est une recherche plus approfondie. Alors ce que j'ai vu, puisque je l'ai vu travailler dans mon île de Gine, l'été dernier, quand il cherchait les documents, il testait les documents, c'est qu'il voulait aller un peu plus au fond, qu'il ne voulait pas faire un travail uniquement descriptif. Et que Alexis Tsipras, en tant que personne, ça lui posait beaucoup de questions, et presque ça le torturait quelquefois, et surtout à travers les contradictions qu'il découvrait dans ce personnage, qui à mon avis était en corrélation avec les contradictions même que notre pays porte dans ce qui est le plus profond de notre existence et de notre destinée, depuis la Grèce antique jusqu'à la Grèce d'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui encore. Contradiction qu'on le voit beaucoup de fois, tant que Tsoukalas, un autre très bon sociologue à mon avis, il avait écrit que l'identité grecque n'est qu'une identité schizophrénique. Tant on ne peut pas savoir où nous appartenons, l'Orient, l'Occident, la Grèce antique, la Grèce d'aujourd'hui. On a beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de conflits extérieurs. Et je crois que pour moi, ce qui est important, c'est que Fabien, il montre les contradictions, mais en faisant ma propre lecture, comme chacun fait sa propre lecture d'un livre, je découvrais qu'il y avait quand même Babis Papadimitriou, un fil conducteur dans le comportement d'Alexis Tsipras. Je ne dirais pas si moi j'ai une sympathie ou non pour lui. Je vais éviter quand même cette question. Mais je trouvais un fil conducteur qu'il était toujours, depuis qu'il était très jeune, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, il allait toujours, quand il y avait des conflits, il y avait des scissions, il y avait tout ce qu'on connaît dans les partis de gauche et même à Synaspismos à l'époque, il allait toujours du côté des minoritaires. Il occupait très vite le terrain, là où il n'y avait pas beaucoup de personnes, et il était un très bon activiste. Et donc il était quelqu'un qui se battait, qui se mettait dans la bataille. Et je dirais même, on ne voit pas tellement une pensée, je dirais moi, théorique, plus approfondie concernant la gauche, mais surtout de l'action. Et ça c'est quelque chose qui me tombe dans les livres, puisque c'est le père tué, comme tu as dit au sens freudien, à Lavanos, il dit à un moment donné à Fabien, bien qu'il n'a pas dit beaucoup de choses, si je me rappelle bien Fabien, à Lavanos il comptait beaucoup ses mots, mais il dit à la page seconde, j'ai choisi les plus activistes entre tous. Il avait une légitimité. Il était le secrétaire de l'organisation de la jeunesse et il était dynamique.
Et à mon avis, ça c'est une caractéristique qui reste stable malgré les contradictions qui traversent les personnages et malgré les changements. Je les vois encore aujourd'hui perdant, essayant à refaire une grande, comme ils rêvent, un grand parti de la gauche, un parti démocratique, un parti qui pourra allier beaucoup de personnes. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec, je dirais, avec ce chemin qu'ils tracent, mais je vois qu'ils parcourent la Grèce du nord jusqu'au sud, donc ils restent un activiste, à mon avis, et ça, c'est quelque chose qui caractérise sa personnalité. Et la deuxième chose, et ça on le voyait aussi, il était présent dans la plupart des manifestations en 2010. Il était là, il était sur la place du Syndagma dans l'occupation par les Indiens. Donc, c'est quelqu'un qui est présent, je vais dire. Et c'est quelqu'un aussi qui a une idée dès le début, et ça me tombe beaucoup, le fait que même quand il arrive aux États-Unis, à la Brookings Institution, à l'institution à Washington, il pose la question aux gens qui le reçoivent, y a-t-il quelque chose à craindre de la Grèce, de la gauche en Grèce? De quelle manière sommes-nous radicaux? Et je dirais que ça, c'est une question qui m'a semblé dans les livres très actuelle à ce moment, à ce qui concerne Syriza et à ce qui concerne la gauche. Nous étions, il a dit, toujours un parti européen. Notre but est de sauver le pays et de le maintenir dans la zone euro. Et je trouve que Fabien, il essaye de montrer quand même les difficultés qu'il va affronter sans avoir toujours, lui-même à mon avis Fabien, une pleine conscience de ce qu'il va se passer et des décisions qu'il est appelé à prendre. Mais je trouve que la réalité sociale est vraiment très difficile. Et cette réalité pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, par exemple, quand il a choisi le référendum? Beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce qu'il a fait bien? Est-ce qu'il n'a pas fait bien? Est-ce qu'il a le fait qu'il a pris le non et après il a fait un oui? Et je me pose la question, qu'est-ce qu'il aurait fait à notre premier ministre? Par exemple, Kyriakos Mitsotakis, que moi, je ne sous-estime pas du tout en tant que personne, en tant que personnalité, malgré les différences idéologiques qu'on peut en avoir. Je ne sais pas, pour dire la vérité. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un pourra faire, parce qu'on voit dans les livres que d'un côté, et on l'a vécu en Grèce, d'un côté on disait non, et de l'autre côté on tirait notre argent de banque, et on n'arrivait pas à dormir la nuit, parce que à l'éventuel, à l'idée même d'un Grexit. Je veux dire, on était nous-mêmes dans les conflits et les contradictions, et ça, je crois que c'est le plus important qui met en lumière ce livre, parce que de toute manière, dire autre chose, la biographie, c'est quoi la biographie? Pierre Bourdieu, le grand sociologue français, disait « la biographie n'est qu'une illusion », parce que il n'y a pas, je dirais, quelque chose de stable, ni dans la personne qui évolue, change, se métamorphose, ni dans la réalité même. Donc, je crois qu'il faut voir ces deux éléments toujours en relation pour comprendre, en effet, et une partie de la personnalité de Tsipras, une partie seulement, il y a toujours une partie qui reste mystérieuse pour toute personne, qui reste cachée peut-être, et aussi de la réalité grecque telle qu'on la voit. Et je dirais qu'il y a encore, si j'ai un peu de temps, un autre mérite de ce livre, qui à mon avis, c'est que malgré peut-être les objections ou les remarques qu'on pourra faire, pour te faire un écrivain meilleur, c'est le fait qu'il est ouvert. Fabien, il fait quelque chose que je crois que si les journalistes faisaient en général,
en Grèce ou ailleurs, et même les hommes politiques, femmes et hommes dans ce pays, ils laissent le chemin, ils laissent, je dirais, ouvert la discussion à l'interprétation. Et ça, à mon avis, c'est très très important. Puisqu'il y a une infinité d'interprétations qu'on peut faire en lisant les livres. Et ça, à mon avis, c'est de ne pas enfermer le lecteur, puisque le lecteur il est toujours sous un certain charme, soit du protagoniste du livre, s'il l'aime ou n'aime pas, Alexis Tsipras, soit sous le charme de l'auteur, il l'aime ou n'aime pas, Fabien, et son écriture. Il est conditionné par ça, le lecteur, chaque fois qu'on lit un livre. Et ici, quand même, c'est très important qu'il laisse, je dirais, une marge de manœuvre au lecteur. Comme, je dirais, les hommes politiques, les femmes politiques, les journalistes et les médias généraux qui ont un grand pouvoir, je dirais que c'est une marge de manœuvre qu'ils ont besoin aussi de dominer chaque fois dans un pays. Parce que s'il y a une marge de manœuvre, les dominés peuvent en discuter d'une manière pacifiée et arriver à un point où il y a le conflit, mais il y a aussi le dialogue. Et ça, c'est l'essence de la démocratie. Et je suis très heureuse de le dire, puisque c'est ce qu'on fait ce soir, ici, malgré nos différences, c'est qu'on utilise les mots. Et ce qu'on met, on se bat à travers les mots, non pas à travers les épées. Et ça, je trouve que c'est très bien, que c'est quelque chose qui est très riche. Et je trouve qu'on respecte et on le fait, et on va le faire après aussi pendant la discussion, les mots même qu'on utilise, les personnes qui prononcent ces mots et les personnes qui vendent les mots, puisqu'on a Alex Copolio, qui ne fait que vendre des mots. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et j'arrête là, puisque peut-être qu'on va en parler. Et le public aussi. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Fabien. Et puis éventuellement d'ouvrir la discussion et d'entendre vos opinions, votre point de vue. Babi, tu voulais dire une petite note. Utiliser quelques minutes, une minute pour un exemple. Et j'aimerais bien m'adresser à Fabien. Pourquoi tu fais cette différence entre Dimitris Papachristos, que tu appelles la voix de la radio de l'école polytechnique en novembre 73, alors que quand tu parles à un autre moment, je ne l'ai pas trouvé, de Maria Damanaki, tu dis une des voix. Parce que pour nous, c'est Damanaki qui a été la voix. Tu as très bien écrit et tu as très bien commémoré Papachristos parce qu'il n'est même pas connu d'une grande partie des Grecs qu'il était là. C'était la voix masculine. Mais c'était surtout Maria Damanaki qui a été la voix de l'école politique. Et puis, après, j'aimerais te poser une autre question. Alors, tu vas répondre à tout ça. Tu m'expliques. Alors, à peine nommé, on est en janvier 2015, à peine nommé, le gouvernement grec doit gérer un État en quasi-faillite, dont les caisses se vident, et la fin du deuxième mémorandum. Alexis Tsipras doit arbitrer en permanence, et la moindre de ses décisions a des répercussions immédiates sur les 10,8 millions d'habitants de la Grèce. Alexis Tsipras, révolutionnaire, parviendra-t-il à faire table rase des accords précédemment signés? C'est la question que tu poses. Dès son entrée dans l'enceinte européenne, il a fait peur. Ce dangereux rouge qui conteste l'ordre établi, ce diable qui s'insurge contre les politiques imposées à la Grèce. Est-il vraiment Tsipras, en janvier 2015, l'homme que tu décris? Moi, j'allais dire qu'il n'est pas exactement là quand tu le décris. C'est pourquoi je te dis que tu l'adores, c'est très bien, je l'accepte volontiers, mais vraiment là, c'est un passage qui le montre bien. Merci. Bon, sans plus tarder, Fabien, la parole est à toi. Beaucoup de commentaires, beaucoup de points. Mais bien sûr, il a écrit un livre. Est-ce finalement un culte, une adoration d'un personnage ou un essai d'un récit objectif? Bon, tout d'abord, merci à tout le monde d'être ici. Merci, monsieur le député. Babis, merci, madame la doyenne. Alexandra, merci. Savros, et bien entendu, merci à Alexis Copolio d'avoir organisé ces rencontres qui, je trouve, mettent toujours à l'honneur la francophonie
ce qui est aussi très important pour moi, que des relais soient donnés à des livres qui paraissent en français alors qu'il y a d'autres endroits où ils pourraient aussi l'être. En tout cas, merci beaucoup Alexis Copolio. Je voudrais aussi remercier Yannis Androulidakis, le traducteur qui a eu la gentillesse de venir. Et alors, pour répondre, du coup, la transition est toute trouvée, pour répondre au culte d'Alexis Tsipras, je ne suis pas anarchiste, mais j'ai tendance à faire mienne la chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Ni Dieu ni Maître ». Donc, n'étant pas grec, je n'avais pas voté en Grèce, n'étant pas grec, n'ayant ni père ni mère grec, je n'ai pas été confronté à l'histoire difficile, contradictoire de la Grèce, mais je pense que l'on soit grec ou pas, on peut effectivement revendiquer de se débarrasser de toute décision qui nous serait imposée. On peut essayer de parler des gens sans les adorer. Et je crois que je n'adore pas Alexis Tsipras. En revanche, je dois dire que j'ai du respect pour cet homme, tout comme j'ai d'ailleurs du respect pour Kyriakos Mitsotakis, par exemple, pour moi, est arrivé à la tête du gouvernement en juillet 2019 de façon extrêmement bien préparée. Et en disant cela, je suis obligé de reconnaître, parce que c'était un fait, c'est ce qui nous est apparu après coup, que sans aucun doute, Syriza n'était pas assez préparé à l'exercice du pouvoir. Plus exactement, Syriza n'était pas préparé à gouverner. Je fais une différence importante entre gouverner et avoir le pouvoir. Or, depuis 2010, en Grèce, des mémorandums avaient été signés à plusieurs reprises qui imposaient à la Grèce les choix à prendre. Donc la marge de manœuvre d'Alexis Tsipras n'était pas du tout la même que celle de Yorgos Papandreou, par exemple, en 2010, quand il a fait appel au FMI, quand il a fait appel à l'Union européenne, quand il a fait appel à différents mécanismes financiers pour éviter le sauvetage, pour éviter la faillite, pardon, de la Grèce. Ça, c'est une première chose qui me paraît importante de souligner. Du coup, j'en reviens à Alexis Tsipras en personne. Je crois aussi que c'est un personnage qui incarne extrêmement bien l'histoire de la Grèce. Or, quand j'ai décidé d'écrire ce livre, la première idée était en réalité de faire une galerie de portraits de différentes personnalités grecques, toutes nées après 1974, et à travers cette galerie de portraits, on avait d'ailleurs discuté avec Françoise Arvanitis, à travers cette galerie de portraits, essayer de retracer l'histoire de la Grèce. Et je me suis dit qu'il manquait un fil conducteur. Et ce qui m'a intéressé, pour le coup, dans le personnage de Tsipras, c'est ses aspérités, ses contradictions, son ascension, parce que c'est une ascension. Et pour autant, j'espère que ce livre n'est pas une hagiographie. Parce que je ne crois pas que Agios Alexis existe. Donc, je ne crois pas... Agios Alexis, c'est l'homme de Dieu. Comme ça. Mais là... pour l'Église, je... Mais voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'importait de dire. Donc Alexis Tsipras, voilà, incarne pour moi extrêmement bien l'histoire de la Grèce depuis la sortie de la dictature des colonels, mais même dans sa naissance, j'ai envie de dire. Il est né le 28 juillet 1974 d'une famille de la classe moyenne plutôt supérieure, etc. Bref, il a un certain nombre de caractéristiques des Grecs de l'époque. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai eu en 2008 l'occasion de faire un entretien avec un journaliste américain qui avait découvert l'affaire du Watergate, qui s'appelle Serge, pas Serge, c'est un Français qui s'appelle Bernstein, Karl,
Et à la fin de l'entretien, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est qu'un bon journaliste. J'étais avec un collègue journaliste de La Croix. Et il m'a dit, le bon journalisme, c'est facts, facts, facts. Des faits, rien que des faits. Et sincèrement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Alors, de ce fait, justement, la remarque sur l'oubli des résultats de Nouvelle Démocratie est évidemment, pour moi, une remarque juste, mais alors qui m'inquiète aussi sur le nombre de personnes qui m'ont relu et qui n'ont pas vu non plus que j'avais oublié de mettre le résultat de Nouvelle Démocratie, mais aussi... Sans le faire exprès, mais aussi celui d'ailleurs de Syriza. Et au final, est-ce que c'est ça le plus important ? Il est vrai que Tsipras a été balayé dans un certain sens, que Syriza a été balayé en juillet, en mai d'abord, aux élections européennes, hein, avec un différentiel énorme entre Syriza et Nea Dimokratia. Mais en même temps, la logique reste vraie. C'est-à-dire que même si je n'ai pas mis les résultats exacts, que je rajouterai dans une prochaine édition ou dans le prochain livre qu'on écrira ensemble, je n'oublierai pas de mettre les résultats, mais la logique reste la même, c'est-à-dire que Alexis Tsipras a conquis, a grimpé les échelles vers le gouvernement au sein de son parti, au sein du pays ensuite, même au sein de l'Union européenne dans un certain sens, et il s'est fait balayer. Et là, ça invite pour moi un quatrième point qui est en réalité sur le pourquoi, malgré tout, Alexis Tsipras, et pourquoi un journaliste français peut s'intéresser à ce personnage. Nous vivons en France une crise sans précédent, une grève sans précédent. C'est la plus longue grève de l'histoire de France que la France est en train de vivre. Avec un gouvernement qui a décidé de ne pas revenir sur une réforme, qui est la réforme des retraites. Et... avec pour autant une grosse différence par rapport à ce qui s'est passé par exemple en 2015 en Grèce, c'est qu'en France, il n'y a pas de mémorandum. Donc dans un cas, il y a des règles qui sont conditionnées, voire imposées par l'Union européenne. Dans l'autre cas, il y a un choix politique qui est celui d'appliquer une politique avec une orientation idéologique. Et ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête parce que pour moi, quand je suis arrivé en Grèce, non pas pour la première fois c'était en 1987 avec mes parents, c'était mon premier voyage à l'étranger, mais la deuxième fois c'était en 2010 où j'ai eu la chance de rencontrer notamment Yanis Androulidakis. Mais quand je suis arrivé en 2010, je voyais bien que ce qui se passait en Grèce était en train et, ou que ce qui se passait en Grèce n'était que le laboratoire de ce qui était en train d'être préparé à l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. On a le droit d'être d'accord ou pas avec les politiques qui sont menées, ça m'appartient. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ces 10 ans de recul, on confirme cette hypothèse que nous étions quelques-uns à mettre en avant en 2010, que la Grèce n'était qu'un laboratoire. Et même pour raconter ce laboratoire, il me semble qu'en réalité, il n'y a pas aujourd'hui d'autres personnages mieux qu'Alexis Tsipras pour le faire. Le dernier point que je voudrais aborder, l'avant-dernier point que je voudrais aborder, c'est sur quelque chose qui est revenu un petit peu quand même en boucle, sur l'économie sociale, le socialisme, ou le dangereux rouge qui était Alexis Tsipras, y compris en 2015. Moi, je ne dis pas que c'est comme ça que personnellement je le perçois. De nouveau, je suis journaliste. Mon regard, mon opinion m'appartient. En revanche, le fait est que c'est comme ça que ça a été perçu dans l'Union européenne, par les autres gouvernements européens. J'en veux pour preuve un entretien que je fais en octobre ou en novembre 2014 avec un ministre allemand, dont je tairai le nom, et qui me dit, un ministre allemand que je connais par ailleurs bien, parce qu'il a été mon prof, donc comme ça, c'est plus facile à trouver qui c'est. Ce ministre allemand me dit à la fin de l'entretien, en novembre 2014, hein, « Mais Fabien, tu rêves, Syriza n'arrivera jamais au pouvoir,
ces dangereux gauchistes n'ont aucun avenir en Europe, 3 mois après, Syriza arrive à la tête du gouvernement et obtient une majorité à la voulie. Bon, donc, je ne dis pas que Tsipras était un dangereux rouge ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Je le dis avec une forme d'humour. C'est aussi pour rendre le récit, ou du moins ce que j'espère être un récit, un peu plus vivant et un peu plus agréable à lire que si j'avais commis un essai comme il en existe beaucoup et qui sont très bien, mais ce n'était pas mon intention. Et je conclurai là-dessus. En fait, mon intention était de répondre à ce qui avait séduit l'éditeur quand je lui ai envoyé le synopsis. C'était de faire un livre qui soit justement aisé à lire et qui nous fasse réfléchir, nous Européens, en l'occurrence Français d'abord, sur ce qu'est la Grèce, ce qu'elle représente la Grèce aujourd'hui et potentiellement le miroir qu'elle nous renvoie. Et donc je lui avais répondu un peu en plaisantant, bref, l'idée serait de faire un livre qu'un touriste qui viendrait pour la première fois en Grèce peut lire sur la plage. Il m'a dit, voilà, c'est ça. Alors si ça c'est réussi, si le fait d'être allé écrire un peu à Égine, un peu à Nocli, un peu a rendu cette chose, cet objectif atteint, tant mieux. Et je dis ça parce que, au final, il me semble que la question d'Alexis Tsipras, elle pose celle de l'histoire grecque, celle des métamorphoses politiques de l'Union européenne, de la Grèce, mais aussi de l'Union européenne. Parce que nous vivons une accélération du temps politique dans l'Union européenne. On le voit très bien en France. Mitterrand a fait 2 mandats, Chirac a fait 2 mandats. Depuis, il n'y a plus un président qui parvient à être reconduit. En Grèce, Tsipras est celui qui a le plus duré depuis au minimum 2010. Donc, dans cette accélération du temps, ce que j'essayais de montrer, c'est que finalement, si gouverner, c'est agir sur le présent et pour le présent, c'est aussi préparer le futur. Et là, je crois qu'en revanche, il y a un propos qui est politique et que j'assume, c'est que préparer le futur, c'est faire le choix des catégories sociales que l'on veut défendre. C'est faire le choix des individus que l'on veut défendre. Pour moi, il y a une différence énorme entre établir des camps, par exemple, pour les réfugiés, qui sont des centres réellement fermés, desquels ils ne peuvent pas sortir, et accepter le principe du hotspot, mais laisser les réfugiés aller et venir comme ils l'entendent sur les îles. Je ne dis pas que la deuxième solution est idéale, mais je pense que ça, c'est un choix de société. Et je crois que c'est à ce choix de société que la réflexion sur la Grèce et sur le gouvernement de Tsipras notamment doit inviter. Et peut-être que si un tome 2 il doit y avoir, à défaut d'une deuxième édition, ce sera sur la famille Mitsotakis, ou sur avant la famille, en tout cas sur Kyriakos Mitsotakis. Et dans ce cas, non seulement je viendrai vous voir tous pour avoir des renseignements, Babispata Dimitri ou Alexandra Koroné ou Estavros, mais je pense qu'on racontera une autre histoire qui sera en revanche une histoire de la droite et de la façon dont les droites sont en train d'évoluer en Europe. Il y a un débat aujourd'hui sur Viktor Orban. Est-ce que Viktor Orban va rester membre du PPE? Mais ça, c'est un vrai débat aussi. Merci Fabien. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat? Est-ce que vous êtes d'accord? Entendre vos pensées, vos idées? Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà lu le livre et voudraient se prononcer. Je peux rajouter un mot? Oui, bien sûr. Je voudrais quand même rajouter un mot, je ne crois pas l'avoir dit au début, c'est de remercier, mais alors très sincèrement et chaleureusement, je vais commencer par les dames cette fois, Alexandra pour son propos et Babis pour son propos aussi, parce que je vais vous dire que en envoyant le livre et à Alexandra et à Babis, j'étais très, je peux dire un peu inquiet de leur retour
Et donc, je tiens à les remercier pour les mots, avec leur coloration politique propre, mais les mots qui m'ont vraiment touché. Oui, mais juste un mot. Moi, je voudrais aussi signaler combien j'ai trouvé que c'était intéressant, malgré les différences de langue, etc. Dans l'édition grecque, je trouve que d'abord, la traduction est merveilleuse. Très bonne. Elle est très bonne, elle est excellente. Je trouve les notes aussi de Yannis Androulidakis très importantes, puisqu'elles donnent à comprendre beaucoup de choses. Et je trouve aussi la préface de Tassos Papas très intéressante. Moins bien. Mais intéressante quand même. Puisqu'il pose beaucoup de questions sur l'illusion. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour la gauche. Surtout quand il cite Castoriadis, que lui-même il avait pris quelque chose de Freud, sur les illusions. Je ne me rappelle plus exactement la phrase, qui trouvent un terrain et qui sont portés plus loin quand il y a un désir. Et donc, je trouve que ça c'est très important parce qu'on peut être dans les illusions. Mais quel est le désir aussi? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça qui est très important et c'est ça sur lequel, de mon point de vue, qui est quand même un peu psychosociologique, il est important de comprendre en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que catégorie sociale aussi. Bon, pour lancer le débat, moi je voudrais m'attarder un peu sur quelque chose dont tu as dit, Fabien, c'est l'élément d'accessibilité d'un livre accessible, un livre que tu dis qui pourrait être éventuellement lu sur la plage par les intéressés, des étrangers, des Français, etc. Je ne sais pas combien d'entre vous dans le public ont lu ce livre. Déjà, ils voudraient se prononcer sur cet aspect d'accessibilité. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de facile par rapport à l'histoire racontée sur le personnage et sur l'histoire récente du pays? Est-ce que quelqu'un voudrait... Oui. Une seconde. On a un micro à passer. Oui, une seconde. Je vais dire quelque chose aussi pour les Grecs. Je vais dire en grec. Αν κάποιος επιθυμεί να κάνει ερωτήσεις στα ελληνικά, δεν νιώθει άνετα να τις κάνει στα γαλλικά, υπάρχει η δυνατότητα της μετάφρασης. Voilà. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Έχω δύο βασικές ερωτήσεις ή μάλλον απορίες. Η μία είναι ο προαλυφόμενος πρωθυπουργός ή αρχηγός ενός κόμματος. Γιατί δεν ήξερε ξένη γλώσσα και έφτασε στο σημείο, αν μπορείτε να το απαντήσετε, πώς το ερμηνεύεται αυτό το πράγμα, δηλαδή με ποιον θα συνεννοόταν, μια και είμαστε στην Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο σας, συγγνώμη, άρα δεν μπορώ να είμαι και πολύ ενήμερος του τι γράφετε, από ό,τι άκουσα. Δεύτερη απορία είναι η ακτιβιστική δράση του. Συμφωνώ με την κυρία Κρόνα, ναι, είναι ακτιβιστής, αλλά δεν ξέρω αν θέλαμε πρωθυπουργό ή ακτιβιστή. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι θεωρητική. Στα φοιτητικά του και τα χρόνια του στο γυμνάσιο, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά και πώς αυτό διαμορφώνει... Αναφέρεται. Συγγνώμη. Μιλάμε για το βιβλίο, βέβαια. Μπορώ να πάρουμε και άλλες ερωτήσεις. Poser des questions, une par une ou plusieurs à la fois? Non, une par une, sinon on sera plus. D'accord. Bon, une par une. Alors, elle va traduire la question. C'est moi, Mustafa. Bon, justement, je voudrais avoir cette clarification, si c'est possible de poser des questions en grec. Puisque vous me donnez la possibilité, j'ai deux questions à vous adresser. Tout d'abord, si quelqu'un qui aspire à être premier ministre, un chef de parti, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il ne parle pas de langue étrangère? Comment est-ce qu'il veut s'adresser à ses homologues? Et deuxième question,
J'ai pas lu le livre. Je suis d'accord que c'est un activiste. Je suis d'accord avec Madame Coronel sur ce point-là. La question se pose si on veut un premier ministre ou un activiste. Et la deuxième partie de la question, qui est d'ailleurs répondue, puisque vous parlez de ces années d'études, de ces années à l'école, etc. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de question là-dessus. Hein. Fabien. Bon, sur la question des langues, c'est, je dirais, une question qui peut interpeller en même temps. Aujourd'hui, dans toutes les institutions européennes, il y a des interprètes. Donc, en réalité, on n'a pas nécessairement besoin de parler une langue étrangère pour être compris. Quand on est Premier ministre, on a des interprètes en permanence. Que ça pose des questions dans la vie privée ou dans une discussion directe que l'on veut avoir, ça c'est un autre aspect. Et peut-être c'est pour ça qu'Alexis Tsipras, à partir de 2012 de mémoire, a pris des cours d'anglais. Et j'ai entendu à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, il parle plutôt très bien d'anglais. Pas très bien. Moi c'est ce que... Alors, peut-être que c'est parce que... Peut-être que c'est parce que ce sont certains de ses anciens, comment dire... les interlocuteurs, mais plusieurs interlocuteurs, et pas simplement français, m'ont dit qu'ils estimaient qu'ils parlaient très bien français, très bien anglais. Donc voilà sur la première question. Sur la deuxième, qui n'en est pas une, activiste, son parcours le montre. Ce qu'il est en train de faire, et ça de nouveau ce n'est pas un jugement de ma part, mais montre qu'il continue d'occuper le terrain. En ce sens, c'est une forme d'activisme. Est-ce que c'est un activisme qui sera couronné de succès comme il le fut entre 2010 et même avant, mais en tout cas pour 2010 jusqu'en 2015, ça, je ne suis pas Madame Soleil, donc seul l'avenir le dira. Donc deux questions, j'ai vu déjà une à Madame. Question de faire une remarque. Justement, j'ai été journaliste très longtemps, correspondante de presse pour des journaux français, pour la radio française. Ce que je veux dire, c'est que la Grèce a été un pays formidablement méconnu, mais totalement méconnu, au sens que c'était un petit pays dont l'économie était une petite économie et qu'on on y venait. Le respect qu'on avait pour la Grèce provenait du respect qu'on a pour son passé glorieux, essentiellement. Et j'en ai eu la preuve de cette espèce de méconnaissance par la difficulté que nous avions quand nous étions correspondants étrangers, d'intéresser nos rédactions aux affaires grecques. J'étais pigiste, il fallait se battre pour avoir vraiment, alors que nous considérions, nous vivant les choses, que c'était des événements importants, intéressants, et intéressants aussi le reste, non seulement le pays, mais le reste de l'Europe et des pays qui collaborant avec la Grèce et partageant aussi certains problèmes, c'était très difficile. J'ai aussi travaillé pour la Repubblica en Italie. La Repubblica me prenait 10 fois plus de papier que la presse française. Donc cette phrase que Fabien a prononcée sur l'importance de ce qu'a été la crise grecque et la prise de pouvoir, la montée au gouvernement, disons, de Tsipras, c'est que tout d'un coup, le laboratoire qui était devenu la Grèce est arrivé au-devant de la scène d'une façon inimaginable. Quand j'arrivais à Paris, je m'amusais toujours. Par exemple, je prenais un taxi et je faisais exprès de dire que je venais de Grèce. Et immédiatement, le chauffeur de taxi disait « Ah, Tsipras !» Le nom de Tsipras était devenu un espèce de symbole de quelque chose de très nouveau qui se passait et qui était ce qui se passait en Grèce. Mais même d'une façon vraiment, vraiment étonnante, enfin, le chauffeur de taxi qui 10 ans plus tôt savait à peine où se trouvait la capitale de la Grèce, tout d'un coup parlait de son premier ministre. Donc je crois vraiment qu'il y a eu là une espèce d'attention qui a été donnée à la Grèce et qui a vraiment transformé
le regard qu'on a sur ce pays, c'est-à-dire et la curiosité qu'on a sur ce pays. Voilà, c'est simplement ce que c'est sûr que la Grèce a fait partie, a eu une place centrale dans l'univers pendant quelques années. Il y a une question d'une demoiselle au fond. Si vous pouvez vous présenter aussi. Je m'appelle Nathalie et simplement je suis toujours très très surprise par l'opinion qu'ont mes amis grecs. Moi je suis française mais je parle grec couramment. La sévérité qu'ont les Grecs à juger le niveau d'anglais d'Alexis Tsipras, que je ne comprends absolument pas, parce que par exemple il a donné un discours aux Nations Unies, alors tous les Grecs étaient choqué par son accent, mais il est grec. Et donc il est normal, moi aussi, quand je parle anglais, j'ai un accent, tout le monde comprend que je suis française. Et donc ça, c'est quelque chose, je trouve les Grecs d'une énorme sévérité pour quelque chose qui n'a aucune importance. Et d'ailleurs, je dois dire que, par exemple, les Français, par exemple, M. Macron est l'un des seuls présidents qui s'exprime directement en anglais et très bien avec son accent français. Donc je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à juger que le niveau d'anglais de votre Premier ministre. L'important, c'est qu'il parle bien le grec, à mon avis. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur... Oui. Là au fond aussi. Pardon. Après. Si vous pouvez vous présenter, ce serait. Vasiliki Gregoropoulou. Je suis ici après 40 ans à Paris. Alors, j'ai une petite question. D'où vous déduisez qu'il a tué le père? Et quel est son désir vraiment sous les illusions, madame? Très bien. Et je pense qu'un homme politique, un homme d'État, ça serait bien donner à la jeunesse un exemple qui, au niveau du savoir, au niveau peut-être parler une langue étrangère, pourrait présenter son pays dans le monde. Je ne dis pas que c'est le premier, mais je pense qu'il doit être aussi pour les jeunes, quelqu'un qui montre que vraiment c'est important aussi, et pas que c'est le plus important. Fabien, est-ce que tu veux réagir ou est-ce qu'on prend une autre question? D'autres questions, remarques à la télé? Il y a une question aussi. Ah, monsieur. Merci. Merci de vos présentations. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai l'impression que vous parlez de Tsipras en tant que Premier ministre, en tant que personnalité. Si c'est le cas, est-ce que dans le livre vous expliquez pourquoi ce Premier ministre a agi envers ses ministres, et notamment j'ai en tête les ministres de l'Éducation nationale, sous-ministre de la Santé, etc., etc., qui ont fait des choses qui ne sont ni socialistes, ni décentes, ni... je peux continuer toute la soirée, si vous le souhaitez. Ils ont détruit l'éducation nationale ces quatre dernières années. Donc, est-ce que vous faites une critique, une présentation, une critique de ce que son gouvernement a fait? Première question. Une deuxième question, et je finis. Madame Le Doyenne, elle a posé la question, qu'est-ce que... Mitsotakis aurait fait à l'époque du référendum, et moi je vous répondrai, aucun homme ou femme sensé n'aurait fait un référendum. C'était un piège énorme dans lequel il est tombé lui et tout le pays en même temps. Merci. Donc qui veut réagir en premier? Merci pour ces questions. Alors, l'aspect psychologique, tuer le père, n'étant pas psychologue ni psychiatre, je vais laisser la parole à quelqu'un qui aura plus d'explications, meilleures explications que moi. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai rencontré Alekos Alavanos, qui a accepté de parler. C'était pas gagné, mais il a accepté de le faire. Et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il avait quand même une forme de dépit. Maintenant, je pense que la meilleure façon de se faire une idée est bien entendu
de lire le livre. La deuxième chose, sur la présentation critique d'Alex Tsipras, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Il y a au minimum 3 autres personnes pour le faire. En revanche, de nouveau, je vous inviterai à lire la version en français ou la version en grec, et comme ça, vous pourrez vous forger votre propre opinion, parce que c'est ce qui m'importe le plus en réalité. C'est pas de donner la mienne. Il y a des éditorialistes qui le font très bien. Il y a des personnalités politiques qui sont là pour défendre tel ou tel responsable politique. Moi, j'ai essayé de mettre des faits et de montrer quelque chose qui me paraît très important, qu'on pourrait appeler le rapport de force en Europe. Et cette question du rapport de force, elle est assez peu prise en compte dans une actualité. Parce que quand on traite de l'actualité, on traite du moment. Donc on ne peut pas nécessairement avoir cette dimension de ce qui se passe ailleurs dans l'Union européenne, de comment les forces se juxtaposent, interagissent, s'affrontent, ni entre les États membres, ni au sein des États membres. Et dans tous les partis, qui s'appellent Nouvelle Démocratie, qui s'appellent Syriza, Kinal, tout ce que vous voulez, le chef du parti, il doit affronter ses rapports de force, y compris jusque dans son parti, différents courants. Sans vouloir aller sur des politiques internes, mais on en entend beaucoup parler aujourd'hui avec le positionnement de Samaras. On entend que Samaras va refaire le coup de 1993. C'est pas la question, hein. C'est pas une question que je pose. Ce que je veux dire, c'est que cette question, elle existe en permanence et malheureusement, on la prend assez peu en compte. Or, pour expliquer une politique, il faut comprendre le rapport de force dans lequel cette politique s'inscrit. Et de nouveau, je pense que c'est en relisant les faits ou en remettant les faits bout à bout que l'on peut avoir une meilleure idée de ce rapport de force. Et partant de ce principe, je pense que la question du référendum, que ce soit un piège ou pas, je vous laisse libre de vos propos. En revanche, je pense que le référendum est une tentative d'instaurer un rapport de force. Est-ce que ça a été réussi ou pas? Ça appartient à chaque lecteur de le juger. Moi, je ne suis pas juge. Ça va, je peux. Madame Colonel, on va vraiment... Juste pour la question concernant... Et puis une question. Une seconde, seulement pour Madame Vassiliki, je crois. Il a posé la question sur tu es le père. C'est une très vieille histoire qui commence par l'anthropologie et ensuite, je crois qu'on l'a utilisé symboliquement. Comme Freud d'ailleurs l'utilise symboliquement, c'est-à-dire que pour qu'un homme devienne homme, il doit d'une certaine manière tuer le père et prendre sa place. Et c'est ça qu'il voulait dire, parce qu'on voulait dire à la relation. Je ne pense pas qu'il a fait ça. Que, je ne sais pas s'il a fait la filiation. Laissez-la terminer après. Non, c'est que tout d'abord, je ne sais pas, bien sûr qu'il n'a pas tué les Cosalavanos. On parle symboliquement. Il est toujours là et il n'a pas voulu beaucoup parler, je crois, Fabien, de la question, ce qui veut dire qu'il portait beaucoup de choses en lui-même. Et c'est ça qu'on veut dire, tu es symboliquement, d'une certaine manière, donc, mais qui est quand même une nécessité pour Freud, pour qu'un homme devienne un homme et qu'il puisse prendre lui le pouvoir, d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, ça vient d'une phrase qui, dans la traduction grecque, Tassos Papas de Mégras Syntaxon utilise, puisque je vais le dire en grec, et je crois qu'il a tout à fait raison. Οι προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, on va traduire ensuite, στην κοινωνία ήταν πολλές. Προσδοκίες που οφείλονταν στις αυταπάτες τους. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, παραπέμποντας στο Φρόιντ, αναφέρει: η αυταπάτη δεν είναι απλώς μια ασφαλμένη πίστη, αλλά μια ασφαλμένη πίστη που τη στηρίζει μια επιθυμία.
Et c'est là où je parlais de désir. Je veux dire qu'il y a, à mon avis, il y a eu beaucoup de... Vous souhaitez qu'on traduise ou... On va traduire ça, oui. C'est-à-dire que les aspirations que Syriza même avait, d'une certaine manière, travaillé, avait soutenu dans la société, étaient beaucoup, étaient plusieurs. C'était des aspirations qui, quand même, étaient basées en partie, c'est ça que je crois que je peux dire en français, sur des illusions. Et là, il utilise une phrase de Castoriadis, de Cornelius Castoriadis, qui l'apprend lui-même de Freud, qui la réfère à Freud, et que Freud disait, d'après ce qu'il dit, que l'illusion, ce n'est pas seulement une croyance fausse. Elle est une croyance fausse, mais qui est quand même basée sur un désir. Et c'est ça, à mon avis, qui est très important, et qui donne peut-être une autre... approche, une autre explication plus psychosociologique à mon avis à ce qui s'est passé, et c'est là où la psychologie peut plus loin, la politique et la politique et la psychologie, puisque je crois que la psychologie aussi joue un rôle très important dans tout ce qui se passe, même en concernant le référendum. Je pourrais dire que est-ce que c'était un acte intelligent ou non. Mais en tout cas, ça a donné beaucoup d'occasions au peuple grec de s'exprimer et d'exprimer en colère qu'il y avait à ce moment. Et à ce moment, par exemple, en sociologie, on a une nouvelle branche qui s'appelle sociologie des émotions. Vous ne pouvez pas imaginer combien les émotions jouent un rôle important dans la politique. C'est-à-dire que ce soit la colère, que ce soit la déception, que ce soit tout ça. Et ce qui a fait après, à mon avis, c'est le plus intéressant. En ce qui concerne la personnalité de Tsipras, ce n'est pas le fait qu'il est allé à un référendum qui a donné l'impression, en tout cas, ce qui dit le désir des gens. Vous pouvez se prévoir. Oui. On va. Je pense qu'il y a une réaction de Babis aussi, et puis prendre une autre question du public. Je vais tout d'abord dire que si tu as un Premier ministre qui parle bien l'anglais ou le français, ou je ne sais pas très, ce n'est pas si important que ça, je suis d'accord avec toi. Mais Tsipras a fait une erreur monumentale qui montrait qu'il ne savait pas vraiment où est-ce qu'il allait serrer. Parce que vous vous en souvenez, c'est pourquoi on a tous l'impression que Tsipras ne parle pas l'anglais. C'était quand il a parlé avec Clinton. C'est, là, il a fait une erreur monumentale. Et moi, j'ai dit à ce moment-là que s'il n'est pas capable de comprendre qu'il n'est pas possible avec quelqu'un qui sait très peu d'anglais, qui n'avait pas eu le temps parce qu'il était activiste, parce qu'il était dans le parti, il fallait travailler, parce que pour monter l'escalier... Dans un parti de gauche, c'est pas facile. Il faut être le matin, là, prendre son café dans les bureaux et être parmi les derniers qui vont sortir. Moi, je trouve pas, Fabien, que c'est vraiment important qu'il soit présent dans une manifestation. Il est obligé d'y être. Il peut pas être un homme politique sans y être. Donc, bien que je trouve pas tellement importante, et je comprends ta manière de répondre, il y a toujours une traduction, Tsipras, il nous a montré qu'il ne comprenait pas dans quel monde il vivait. Parce que parler avec Clinton dans un climat international, ça c'était peut-être un guet-apens qu'on lui avait proposé, il aurait dû refuser. Et je vais vous dire que, je ne vais pas parler publiquement plus que cela, mais entre journalistes, il y a des choses qui se racontent. Qui est-ce qui a préparé cette rencontre et qui avait cette idée? Il aurait dû refuser. Parce qu'il a appris l'anglais très très vite par la suite, il est vrai. Parce que c'est un homme qui est très persistant et très... Et quand il veut faire quelque chose, il le fait de sa... Bon, vous parlez tous du référendum ou du plébiscite, je ne sais pas quel est le... Mais la raison pour laquelle moi et plusieurs autres, on s'est dit qu'il n'aurait jamais dû poser la question au peuple, c'est justement ce que vous avez raconté, que le peuple a donné une réponse sentimentale. Et quand il s'agit quand même d'un truc que même la Constitution l'interdit, et ça c'est une grave erreur qui a été commise
par le président de la République sortant, et ça aurait été très difficile. C'était vraiment difficile à dire au peuple quand il était dans un état vraiment les capital control, et il y avait peut-être, je ne me souviens pas exactement du chiffre, je crois que 70 milliards étaient partis dans quelques mois, parce que tu dis dans un certain moment, tu parles de 80 milliards pour toute la période, du début de la crise jusqu'à ce moment-là. 60, c'est plus grand, le chiffre est plus grand. Mais 70 milliards sont partis dans quelques mois. Donc on était dans un état de crise, mais vraiment de crise psychologique aussi, parce que quand tu as voté en janvier pour quelqu'un qui va balayer, railler tes dettes, faire quelque chose contre ce problème qu'on vivait, et que tu vois qu'au lieu de faire ça, il va dans les instances européennes, et il y a une bagarre, un bruit qui sortait, mais ce n'est pas la manière de faire de la grande politique. Il n'aurait jamais dû choisir Yanis Varoufakis pour ministre de l'économie. Et quand tu dis, par exemple, moi j'attendais que tu parles un petit peu plus de Yanis Varoufakis, je pense que tu as parlé avec lui, et tu parles très peu dans un paragraphe. Tu dis que lui, il pensait qu'il était mieux de boucler l'affaire au plus tôt possible. Moi, j'étais d'accord avec lui. Et à un certain moment, on se disait, entre nous, je peux le dire publiquement parce qu'il l'a dit l'autre jour à Pablo Simas, je pose la question à Yanis Varoufakis, et je lui demande, qu'est-ce qu'il fait, Varoufakis? Il va faire péter le pays. Parce que le problème, le vrai problème politique, ce n'était pas si on avait élu un gouvernement de gauche et s'il allait faire une politique de gauche. Le vrai problème, c'était que le pays, il était dans un moment difficile et il ne fallait pas travailler beaucoup avec ses chances. C'est ce que je veux dire surtout. Mais pour terminer, tu dis à un certain moment qu'il écrit une lettre. C'est très bien dit, parce que je vous répète, quand il est élu, il écrit à Hollande, François Hollande, parce qu'il est élu à peu près au même moment. Il écrit une lettre. Ça, c'est un deuxième point que Tsipras. Il comprend le monde à sa propre mesure. Il dit, le monde, c'est moi. Le monde, je veux dire l'environnement international. Comme tout le monde, mais quand il est Premier ministre, ce n'est pas la chose à faire. Et il écrit à François Hollande, et il lui dit que nous sommes tous les deux de gauche, on est élus dans deux pays très différents. Je comprends très bien que la France aime, adore Tsipras, parce que c'est la France quand même. Hein. Si tu traverses la Manche, c'est pas la même chose. Je parle pas d'aller jusqu'à Berlin, ça c'était encore pire. Et François Hollande, il explique, il n'y a pas de citation, mais je pense que c'est le livre que les deux journalistes du Monde ont écrit. Hein. Et tu n'as pas mis la référence. Non, c'est la moi qui ai révélé l'histoire. Ah bon, d'accord. C'est toi qui avais révélé l'histoire. C'est moi qui avais révélé. Et donc, François Hollande, il dit, même si j'avais l'estime pour le candidat et le mouvement qu'il représentait, je n'avais pas souhaité le recevoir, car il avait fait le choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle française. Ben, c'est la fameuse appellation de Hollandreou. Ça montre bien que Tsipras, il ne voit pas d'obstacle. Quand il est devant quelque chose, il croit que ça lui est dû, ça lui est donné. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est ça surtout le problème qu'il s'est affronté. C'est pourquoi il n'aurait pas dû, j'insiste toujours, faire le référendum. Il aurait eu un accord beaucoup plus souple, beaucoup mieux, parce qu'après le référendum, on était tous coincés. Et lui, tout d'abord. Donc, on était à la phase d'un troisième mnemonio, qui a été très très dur pour tout le monde. Bon, c'est tout, moi j'ai rien d'autre à dire. On va essayer de prendre quelques dernières réactions. Une ou deux, si c'est possible, si et après madame devant, monsieur, ok, si très bien. Il y en a encore une. D'accord. La première a demandé la. D'accord. Oui. Votre nom, si possible. Oui, bien sûr. Et après, on va s'arrêter, si vous le souhaitez, on va prendre un verre de vin et vous pourrez discuter. Fabien pourra intervenir, bien sûr. On lui pose des questions. Bien sûr. Après, les réponses, donc. Alors d'abord, moi j'ai lu le livre.
Le sujet, c'est bien le livre et pas la critique qu'on peut faire ou adresser à Fabien, le biographe, sur Tsipras et ce qu'on a éventuellement à lui reprocher. Je pense que, justement, ce livre est agréable à lire, mais il est très, très bien documenté. Je reconnais que j'ai travaillé avec Fabien et que je sais comment il établit ses enquêtes et les construit longuement, donne la parole à des paroles contradictoires, ne se contente pas juste d'un écho, mais approfondit vraiment ses enquêtes avant d'écrire. Je trouve que ce livre, c'est la preuve ce soir, peut donner vraiment à réfléchir sur la Grèce, sur ce qui s'est passé ces dernières années, sur la crise de la Grèce. Voilà. Et puis, donc le sujet, c'est bien le livre ce soir. C'est pas... Il vaut mieux l'acheter et le lire, effectivement, en grec ou en français. Merci. Et il est disponible ici. Tout le monde peut l'acheter après. Merci. Je ne vais pas être réactionnaire. Personne ne dit son nom. Vous voulez dire votre nom ? Charakas, avocat. Écoutez, je ne veux pas être réactionnaire. J'ai une réaction et je ne veux pas plaidoyer en faveur de Tsipras. Mais je crois que monsieur le docteur, on oublie un peu que Tsipras, quand il est venu comme premier ministre, est venu dans un contexte qui était la crise internationale, la crise grave, la déviation du capitalisme, la péripétie européenne et surtout la tragédie grecque. Nous étions pas devant la faillite, mais dans la faillite même. Alors dans ce cas-là, c'était les circonstances de l'époque qui ont appelé Tsipras comme une nécessité qui incarnait Tsipras à l'époque, et il a pris le mandat de faire, je ne veux pas dire le seul travail, le seul œuvre, mais surtout un mandat d'arriver à quelques chiffres. Il est arrivé à ça, et en plus, il a le sens de renouveler le climat politique, si vous voulez. Il a renouvelé le système politique même. Il a appelé Mitsotakis. Alors, il a fait tout ça comme une nécessité. Et je ne suis pas ni en faveur ni contre Tsipras, c'était une nécessité de cette époque-là. Et c'est justement ça que j'ai... Merci. Une dernière question au fond. Oui. Voilà. Tsipras comme un destin de la Grèce. Ou le destin de Tsipras. Allez, je m'appelle Yorgos, je suis universitaire. Vous dites que Syriza ne savait pas gouverner. Peut-être, mais elle a gouverné quand même, le parti. Elle a pris des lois, elle a fait des lois, elle a gouverné pour 5 années. Et Tsipras n'est plus un radical, n'est plus un activiste, il est un homme d'État. Et même il est un homme d'État à succès. Monsieur Papadimitriou a fait la comparaison avec Monsieur Hollande, il dit Monsieur Hollande était logique. Monsieur Tsipras n'était pas rationnel. Mais où est M. Hollande maintenant, en tant que logique? Donc, il faut garder à l'esprit qu'il est maintenant un homme d'État, il n'est plus un usurpateur du pouvoir, il est quelqu'un qui a exercé, il a appliqué le pouvoir. Et je voudrais quelques mots de l'auteur sur Tsipras, homme d'État. C'est la chose intéressante pour l'avenir. Hein. Justement, il y avait une question, Fabien, tout à l'heure. Est-ce que tu racontes au final la personnalité ou l'homme d'État ? Fabien. En tout cas, ça passionne les Grecs, apparemment. Il n'y a une seule Française qui est intervenue sur le sujet. Sinon. Pardon. Fabien, à toi. Il a changé le regard sur la classe, en tous les cas. Oui, sans aucun doute. Le gouvernement de Tsipras a changé le regard sur la classe. Sans aucun doute. Alex Tsipras a changé le regard sur la Grèce, ça, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit avant que je sache que Françoise était aussi d'accord avec ce propos dans un entretien que j'ai accordé
il y a quelque temps un journal grec. On me demandait quelle est la principale réalisation, et je pense que une des principales, c'est vraiment d'avoir changé le regard sur la Grèce, ce qui n'implique pas d'être d'accord ou pas, mais le regard a changé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne le contexte. Évidemment, là, on parle d'un livre qui est sur un personnage avec des opinions politiques tranchées, même des représentants politiques. Donc, on se concentre sur la personne, mais vraiment, dans le livre, j'essaie de remettre cette question du rapport de force et au cœur, et la question du rapport de force ne peut pas s'appréhender sans la question du contexte. Il y a un chapitre qui s'appelle qui parle du contexte européen, et un autre chapitre qui parle de la crise économique mondiale. Et moi, j'ai de la chance, j'ai eu des universitaires connus en Grèce et à l'étranger, comme Savas Robolis, qui parle dans le livre, qui m'ont donné un certain nombre de bases économiques, de chiffres, qui m'ont décrypté, j'aime pas ce mot, mais en tout cas qui m'ont aidé à mieux comprendre certaines logiques économiques. Donc il y a beaucoup d'éléments de contexte dans le livre. Je pense que c'est la discussion à l'instant qui ne les donne pas à entendre, mais vous les trouverez dans le bouquin. La troisième question, troisième point que je voulais aborder, c'est sur la biographie, justement. Ce n'est pas une biographie officielle. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit auprès d'Alexis Tsipras avant d'écrire le livre, personne de Syriza n'a relu le bouquin avant qu'il sorte. Je sais même que certaines personnes de Syriza trouvent que le livre est trop sévère envers Alexis Tsipras. Ce regard leur appartient. Ils ont le droit de le penser. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un travail honnête en mettant les faits, en croisant le plus possible mes informations. C'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas citées, même quand il y a des propos off the record, je peux vous assurer que la véracité du propos a été vérifiée. Je vais donner un exemple. Yanis a dû partir, mais on a eu un débat sur un interlocuteur pour lequel il a traduit, puisque mon grec n'est pas suffisant pour mener les entretiens tout seul. Et il me dit, mais il faut absolument que tu mettes cette phrase. Pourquoi tu n'as pas écrit cette phrase dans le livre, etc. Je dis, bah, tout simplement parce qu'il n'y a que cet interlocuteur qui ne veut pas apparaître nulle part dans le livre qui m'a expliqué cette situation, et je n'ai pas pu vérifier par quiconque d'autre que Tsipras était là. Donc moi, mon choix, c'est de la laisser de côté. Voilà. Donc du coup, certains trouvent que le livre est trop sévère, d'autres peut-être trouvent qu'il est trop gentil envers Tsipras, mais l'ambition est de faire un bouquin honnête. Et à la fin, justement, et ça renvoie un peu à ça, sur la personnalité d'homme d'État. Comme je disais, on vit dans un temps d'accélération de la politique. On le voit en France, finalement, la seule personne qui a duré dernièrement en Europe dans l'exercice du pouvoir, c'est Angela Merkel, qui d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ne parle pas bien du tout anglais. Mais alors, personne n'en fait écho. Elle n'essaye pas de parler aussi. D'accord. Mais elle parle la langue de 86 millions d'habitants. C'est peut-être aussi une différence essentielle. Mais voilà. Et en tout cas, Alexis Tsipras, pour moi, j'ai pas dit qu'il ne savait pas gouverner. J'ai dit qu'il n'était pas, avec le recul, avec le temps, je pense qu'il n'était pas prêt à gouverner. Ce qui est complètement différent. Et de nouveau, moi ensuite, mon rôle de journaliste, y compris d'auteur, n'est pas de juger de la pertinence des politiques menées. Même si, pour travailler beaucoup sur la question des migrants, par exemple, je vois ce que ce gouvernement a essayé de faire. Est-ce que d'un point de vue humain, d'un point de vue de l'humanité, au sens premier du terme, on voit la différence avec d'autres politiques menées aujourd'hui en Europe. Sur le plan social, on voit aussi des différences. Je veux dire, ce gouvernement, par exemple,
a essayé, à partir de août 2018, donc quand la Grèce est sortie des mémorandums, mais qu'elle reste sous surveillance, surveillance renforcée de la Commission européenne, le gouvernement a essayé de renégocier les conventions collectives. Mais en réalité, dans l'élaboration d'un rapport de force, cette fois je parlerai d'un point de vue social, de groupes sociaux, c'est un élément extrêmement essentiel. Parce que le rapport de force n'existe pas simplement par la manifestation ou par l'affrontement, il existe aussi par les outils juridiques que dont les groupes disposent, dont les groupes sociaux, dont les corps constitués disposent. Et on le voit très bien, cette fois je vais refaire un petit parallèle avec la France, on le voit très bien en France aujourd'hui. On a un président qui est passé complètement au-dessus des corps constitués, mais avec qui peut-il négocier aujourd'hui ? Merci Fabien. Je pense qu'on va en rester là. Je voudrais remercier les deux intervenants, Babis Papadimitriou, Alexandra Coronel, l'auteur, bien entendu. Le livre est disponible en français et en grec pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Merci. Et l'auteur, je pense, sera là pour répondre à vos questions. Merci à Nelly aussi qui assure la traduction. Ah, pardon. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour votre visite. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'Institut. J'espère que ça a été passionnant pour vous.